Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélien Pierre, expert à la NAP. J'ai le plaisir d'animer ce jour la webconférence sur le transport durable. Et pour l'introduire, cédons la parole à Emeline Flinois, directrice du pôle développement durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la webconférence « Transport durable, passer à la vitesse supérieure ». Non, ce n'est pas juste un slogan marketing. En effet, le transport représente 13% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé. En lien avec le ministère de la Transition écologique et avec le ministère de la Santé, la NAP assure le pilotage de la feuille de route de la planification écologique du système de santé qui englobe 9 thématiques, dont la mobilité durable. La mobilité durable inscrite dans cette feuille de route a pour enjeu d'accélérer la transition vers des transports et des schémas de mobilité à faible et très faible émission d'ici 2030. La NAP travaille sur cette thématique depuis longtemps et a notamment accompagné des établissements de santé et des structures pour les aider à optimiser et vertir leur flotte automobile en y intégrant la mobilité douce. Par ailleurs, diverses publications sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de la NAP. Verdir sa flotte automobile, stratégie et coûts, les conseils pour limiter l'impact du transport, 10 actions pour faire des économies de carburant et d'autres productions que je vous invite à consulter directement et gratuitement sur notre site internet anap.fr. Lors de cette webconférence, le groupe La Poste, premier réseau de livraison de colis en Europe, et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique, partageront avec nous leur vision et leur stratégie bas carbone. Déjà engagé en matière de transition écologique, le CHRU de Nancy nous fera bénéficier de son retour d'expérience en matière d'optimisation et de verdissement de flotte automobile. Quant au CHU de Montpellier, premier établissement à avoir été labellisé employeur pro-vélo, il nous éclairera sur les modes de déplacement à faible émission. Bonne webconférence à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence pour cette webconférence. Je remercie Emeline tout d'abord pour avoir posé le cadre en rappelant les enjeux majeurs du transport durable. Nous vous proposons cette webconférence en deux séquences. Une première avec La Poste et Geodis, une seconde avec le CHRU de Nancy et le CHU de Montpellier. Pour cette première séquence, j'ai l'honneur d'accueillir Anne-Laure Charpenet, directrice transition énergétique, transport et livraison du groupe La Poste, et M. Christophe Duvernois, directeur développement durable et R&D de Geodis. Nous allons démarrer cette webconférence avec vous, Madame Charpenet. Chacun d'entre nous connaît La Poste, ne serait-ce que par le courrier. Pourriez-vous d'abord nous rappeler qui est le groupe La Poste et quelles sont vos activités au travers de quelques chiffres clés pour que nos participants comprennent bien le contexte? Bonjour à tous. Le groupe La Poste, ce sont 4 pôles. Un premier pôle qui est la branche service courrier-colis auquel j'appartiens, donc on en parlera un peu plus tout à l'heure. Un deuxième qui est Géoposte, qui est notre opérateur colis international. Le troisième, le grand pôle banque assurance avec la Banque Postale et CNP Assurance. Et le quatrième, la branche grand public que vous connaissez bien via les bureaux de poste et également le numérique avec par exemple la marque DocaPost. En quelques chiffres, j'en dirais deux sur la taille du groupe, 35 milliards de chiffre d'affaires et 238 000 collaborateurs partout dans le monde, dans une grande partie en France. En termes d'empreinte carbone, le groupe, c'est 2,4 millions de tonnes CO2 et la branche, c'est 500 000 auxquelles j'appartiens, la branche service courrier-colis, c'est 500 000 tonnes de CO2. On comprend que l'activité de La Poste est fortement consommatrice en matière de transport. Vous venez nous l'expliquer à travers ces chiffres. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la stratégie que vous avez mise en œuvre pour diminuer les gaz à effet de serre? Alors, pour élaborer une stratégie, il faut d'abord regarder son bilan carbone et déceler les inducteurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, pour nous, La Poste, nous sommes un grand groupe logistique. Donc, sans surprise, le premier inducteur, c'est le transport. Moyenne et longue distance, et le deuxième, c'est la livraison du premier et dernier kilomètre. Nous avons élaboré une stratégie pour ces deux points, mais nous avons également une stratégie pour tout ce qui est consommation des bâtiments, numérique, etc. Bon. Sur le transport moyenne et longue distance, trois points. Le premier, on cherche à faire du report modal, c'est-à-dire à utiliser le mode de transport qui est le moins consommateur en CO2. Par exemple, avec la nouvelle gamme courrier, nous avons arrêté un certain nombre de liaisons aériennes en France et nous avons déporté ces liaisons et ces produits sur du transport routier. Le deuxième point qui est l'optimisation des kilomètres.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les ans. On a gagné l'année dernière 13% de nos kilomètres. Donc bon, c'était une belle année, mais ça fait beaucoup de CO2 en moins. Et le troisième, c'est le verdissement. Donc on verdit en fait ce qu'on n'a pas pu reporter sous forme modale et ce qu'on n'a pas pu optimiser. Donc on verdit des kilomètres utiles. Comment nous verdissons ? Nous verdissons avec deux énergies aujourd'hui qui sont les biocarburants B100 et HVO et le biogaz. Ok, donc si je comprends bien, report modal, optimisation des kilomètres, verdissement. Oui. Voici finalement la clé de votre stratégie aujourd'hui dans le groupe La Poste. Tout à fait. Super, c'est très clair. Merci beaucoup. Et en quelques mots, quelles sont les actions long terme envisagées ? Alors, les actions long terme, on est à la pointe sur toutes les innovations qui peuvent arriver. Donc, par exemple, on participe à un projet d'autoroute électrique sur lequel il va y avoir des essais en France. C'est quoi l'autoroute électrique ? Par exemple, c'est pouvoir s'avitailler en dynamique pour un poids lourd en se branchant soit sur un réseau aérien, soit sur de l'induction ou un rail au sol. On expérimente également des poids lourds électrifiés et des poids lourds hydrogène. Bientôt, nous allons avoir des subventions pour des poids lourds hydrogène qui arriveront début 2026. Et on met également en œuvre de nouvelles infrastructures donc, qui apparaîtront l'année prochaine, qui sont des stations biogaz en proximité de nos principaux sites. Merci pour ces éléments, Madame Charponnet, qui permettent d'éclairer l'ensemble des participants. Tout de suite, je me tourne vers Monsieur Duvernois. Le Monde a déjà croisé un camion avec le logo Géodis. Pourriez-vous d'abord nous rappeler qui est le groupe Géodis et quelles sont vos activités au travers de quelques chiffres clés ? Géodis est un groupe français, donc c'est une filiale de la SNCF. Nous sommes présents dans 130 pays et nous avons 50 000 collaborateurs tous les jours qui mettent en œuvre de la logistique et du transport dans le monde. Quelques chiffres très simples. Donc c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, moins important que la Poste effectivement sur son métier, mais la SNCF, bien évidemment, représente 35 milliards de chiffre d'affaires en France essentiellement, bien évidemment, conjugué avec Géodis. Nous avons quatre grands métiers sur la logistique. Le premier métier, c'est le métier de la contract logistique. Effectivement, on accompagne nos clients dans le monde pour les stockages, préparation de commandes, bien évidemment, toute cette partie-là. Le deuxième métier, c'est le métier du fret et de la commission de transport international, commission de transport maritime et commission de transport aérienne. Troisième métier, beaucoup plus européen, c'est le métier de la route. Donc on intervient comme un acteur de la gestion des lots, du vrac, des citernes sur l'Europe. Et le quatrième métier, dans lequel je travaille le plus particulièrement, c'est le métier de la distribution, essentiellement en France, sous la partie messagerie express, deux activités. Effectivement, et cette activité express, c'est 120 agences en France, c'est 10 000 personnes, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Et c'est, en 2017, je prendrai 2017 parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est 540 000 tonnes de CO2. Alors le groupe Géodis, c'est par contre moins brillant que la Poste, puisque c'est, dans son contexte global, c'est 3 200 000 tonnes de CO2, parce qu'effectivement, nous sommes un acteur du transport international. Alors oui, on le comprend, c'est dans votre ADN. Pourriez-vous du coup nous expliquer les actions mises en œuvre pour décarboner vos transports ? Alors, on a fait exactement la même démarche que la Poste. Premièrement, on a mesuré notre empreinte environnementale. C'était effectivement fondamental et je vais insister parce qu'effectivement, c'est vraiment le premier levier, c'est de savoir quelles sont les émissions que nous émettons dans sa globalité. 2017, on a pris une ambition, c'est de réduire cette empreinte environnementale de 30% versus 2030. Et pour cela, on a mis en place un programme de sobriété qui comprend deux grands volets essentiellement, puisque dans le transport, bien évidemment, ce sont les moyens roulants, mais également les bâtiments. On a plus d'un million de mètres carrés en France de bâtiments, et donc ces bâtiments consomment. Donc première action, bien effectivement, travailler sur la sobriété énergétique des bâtiments, relamping, notamment, test, également mise en place de panneaux photovoltaïques, notamment en 2017, ce sont des POC, effectivement, des expérimentations. Et puis le deuxième grand volet, bien évidemment, dans notre métier, c'est le transport. Et donc là, on a embarqué l'intégralité du transport, à la fois notre parc propre, mais également nos partenaires. Et donc, on a travaillé sur l'optimisation de nos outils, grâce à des outils digitaux qui nous ont permis de moins consommer, faire moins de kilomètres. Et puis, bien évidemment, on a travaillé sur la qualité et la performance de nos véhicules, les normes. On est passé de normes Euro 3, Euro 4
à des normes Euro 6. Et puis le dernier volet, très, très similaire à la Poste, nous avons travaillé bien évidemment sur un programme de décarbonation. Ce programme de décarbonation a été mis en place en 2020. Et là, en 2020, nous avons ciblé la livraison des 100 métropoles françaises en bas carbone. Donc, ce qui nous a mis en œuvre plus de 800 camions aujourd'hui, bas carbone, sur deux énergies principales. Une énergie de biomasse, effectivement, BioGNC et également HVO et Bessan. Et puis, une deuxième énergie, l'énergie électrique. Voilà. Ce qui nous a amené, effectivement, à une performance en 2022. On aura d'ici quelques jours la performance 2023. On a pu réduire notre empreinte environnementale entre 2017 et 2022 de l'ordre de 25%. OK. Donc, si je comprends bien, deux actions phares, un programme de sobriété, un programme de décarbonation qui s'appuie sur le bilan que vous avez réalisé en amont, votre empreinte carbone. Tout à fait. Très clair. Merci beaucoup. Et du coup, quelles sont les orientations envisagées ? Alors, on est plus ambitieux. Hein, donc, d'abord, cette ambition, elle vise deux actions majeures, une action climat, bien évidemment, et une action santé publique, hein, donc moins polluer également en centre-ville. Hein, donc, voilà. Et donc, on a accéléré cette décarbonation puisqu'on s'est engagé dans une démarche qui s'appelle SBT, Science Based Target, hein, donc, qui est une démarche internationale d'engagement de réduction complémentaire de notre empreinte environnementale. Et nous sommes, entre 2022 et 2030, nous avons un engagement global de rebaisser notre empreinte de l'ordre de 30%. Et donc, nous accélérons, bien évidemment, nos plans de décarbonation, bien évidemment, en mettant en œuvre une décarbonation de 5% par an de notre parc, tout compris, parc propre et parc sous-traitant, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2030, nous aurons à peu près 50% de notre parc qui sera en bas carbone, c'est-à-dire plus de 3500 camions qui vont circuler tous les jours en bas carbone, quel que soit le segment dans lequel ils interviennent. Enlèvement, plan de transport et livraison. Et puis parallèlement à ça, on continue également sur la décarbonation de nos bâtiments et également sur l'autonomie de nos bâtiments en termes d'électricité, puisqu'on va accentuer un programme de photovoltaïque qui va nous permettre bien évidemment de contribuer effectivement à la production d'électricité pour nous-mêmes, à la montée en puissance également de notre parc électrique, parce qu'on pense qu'effectivement à l'horizon 2030, on sera essentiellement sur deux types de matériel, du matériel électrique d'origine batterie et du matériel électrique d'origine hydrogène. Voilà, donc on pense, même si, bien évidemment, il restera encore des véhicules bas carbone sur de la biomasse. Donc notre ambition, c'est de passer effectivement de 540 000 tonnes en 2017 à 300 000 tonnes en 2030 en valeur absolue, c'est-à-dire croissance également de l'entreprise, puisque entre 2017 et 2030, nous aurons à peu près une croissance de 20% qu'on doit également absorber dans ce programme de sobriété. Eh bien, mille merci, Monsieur Duvernois, pour ces éléments. Cette première séquence arrive à la fin. Je vous remercie tous les deux de nous avoir partagé vos stratégies respectives, contribuant ainsi à enrichir les travaux du système de santé. Pour cette seconde séquence de cette webconférence, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphanie Geyer, directrice du département investissement et logistique du CHRU de Nancy. Bonjour. Bonjour à tous. Et Marie-Ange Péridon-Fayard, directrice adjointe du schéma directeur immobilier et de la RSE du CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je me retourne vers vous maintenant, Madame Péridon. Pourriez-vous tout d'abord nous resituer le CHU de Montpellier en termes d'activité, le case mix de l'établissement, le nombre de lits, etc. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le CHU de Montpellier, c'est 12 000 agents, enfin 11 800 si on veut être précis, 11 800 agents, 243 000 hospitalisations, 589 000 consultations externes. Alors, j'ai un pense bête, hein, mais c'est utile, 3 900 naissances, 132 500 passages aux urgences. Alors, juste là, je fais un zoom parce qu'on a fait des calculs dans le cadre de notre plan de mobilité. Ça correspond à 1 905 000 allers-retours de patients sur une année. Donc, comme on parle de la mobilité, je pense que c'est un point important. 7 900 sorties SMUR et pour un budget de 1 133 millions. Et un capacitaire de 2070 lits et 513 places. Merci beaucoup. C'est très clair.
Et du coup, depuis de nombreuses années, le CHU de Montpellier a lancé de nombreux travaux en matière de déplacement à faible émission. D'ailleurs, vous avez obtenu le label employeur pro vélo et bravo pour cela. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu la démarche générale menée au CHU de Montpellier pour favoriser les modes de déplacement à faible émission? Je vais reprendre un peu l'historique de construction qui explique comment on en est arrivé là. D'abord, ça a commencé en 2007 avec un partenariat avec la métropole qui a été construit pour nous aider par rapport à l'environnement du CHU et les interactions qu'il peut y avoir pour les déplacements domicile-travail entre la ville et l'hôpital. Donc, progressivement, jusqu'en 2019, où la loi d'orientation des mobilités a mis un accélérateur pour le CHU, on a travaillé sur l'axe de comment faire mieux. Et donc, pour ça, il y a une équipe dédiée qui a été mise en place à partir équipe dédiée développement durable à partir de fin 2021, début 2022, pour effectivement travailler globalement sur le développement durable et en particulier sur la mobilité. En 2021, ce qui est important aussi de prendre en compte parce que ça a un impact, le CHU de Montpellier écrit son livre blanc sur son schéma directeur immobilier. Pourquoi ça a un impact? Parce qu'on va modifier le bâtimentaire et les flux qui sont associés au bâtimentaire vont également être concernés. Et pour ces modifications, on va prendre en compte notre plan de mobilité employeur. En 2022, on crée un comité technique sur la mobilité et on est suivi par un comité de pilotage pour actualiser le plan de mobilité qui, progressivement, effectivement, dans le cadre de sa déclinaison, nous a permis d'obtenir sur le site principal la labellisation employeur pro vélo. Sachant que la labellisation employeur pro vélo, ça n'est qu'un axe de l'ensemble de la politique qui est en cours au niveau du CHU. Juste quelques données chiffrées qui sont intéressantes et qui nous ont permis d'étayer le plan d'action. On a aujourd'hui sur le CHU 50% des professionnels qui continuent à venir au travail en voiture. Seulement 8% d'utilisateurs de transport en commun, alors que fin d'année dernière, les habitants de la métropole ont la gratuité des transports en commun. Et 30% d'utilisateurs de vélo. Ça, c'est un chiffre extrêmement important parce qu'entre 2007 et 2023, on est passé de 7% à 30%. Donc, ce qui signifie qu'en fait, notre démarche d'incitation interpelle est accueillie positivement auprès des agents. Par contre, on a encore une évolution puisque sur les utilisateurs de véhicules, il faut savoir que 7% des déplacements se font sur un périmètre de 5 km autour de l'hôpital. Donc, 16% habitent dans un environnement autour de l'hôpital à 5 km et 40% entre 5 et 10 km, ce qui signifie qu'on a encore une marge de manœuvre. Et on a également une autre marge de manœuvre sur le covoiturage, puisque pour tous les trajets entre 10 et 50 km, seulement 4% de covoiturage. Et c'est multiplié par 4 pour les covoitureurs au-delà de 50 km. Donc, c'est des actions qui nous laissent à penser qu'on a une possibilité d'évoluer et d'évoluer positivement. On s'est fixé des objectifs de report modal à 2027 avec des seuils maxi et des seuils mini, avec les trois impacts que je vous ai cités. Donc, sur le vélo, en seuil mini, on voudrait passer à 37%. On est à 30%. Sur la voiture, de 50% d'utilisateurs, on voudrait passer à 39%. Et sur le covoiturage, de 4% d'utilisateurs, on voudrait passer à 10%. Ça, ce sont les seuils mini. Au regard des actions que l'on mène, on pense que c'est effectivement envisageable. Sur les différentes actions, la méthodologie et la gouvernance qui ont été mises en place, on a trois axes principaux: réduire les déplacements et éviter la mobilité, promouvoir les alternatives à la voiture et optimiser l'usage de la voiture et de la flotte de véhicules. On a mis en place une méthodologie pour y parvenir. On a fait une analyse de l'offre de la mobilité. Donc, on a inclus les transports en commun. Et donc là, le partenariat avec la ville et le département est important.
On a identifié, toujours au travers de cette enquête, les besoins en mobilité des professionnels. On a créé le COTEC, on a mis en place le plan d'action, et là, on est dans sa phase 4, c'est-à-dire son déploiement et son suivi. Sur les thèmes qui ont été retenus et dans lesquels, en fait, on va pouvoir initier quelques actions dont je vous parlerai, on a 5 thèmes. On favorise l'usage du vélo, on facilite le recours au covoiturage, on participe à l'adaptation de l'offre de transport en commun. Donc, c'est le partenariat avec la métropole. On a des réunions régulières, on les sollicite de manière très fréquente. Il y a des travaux au niveau de la ville pour créer une ligne de tram supplémentaire. On y est convié parce qu'on va travailler avec eux les accès et les arrêts des stations en fonction des besoins et d'arriver des agents. Mmh. On challenge la mobilité. Ça, c'est on crée des défis mobilité. Sur l'année, on essaye d'en avoir 2 ou 3, où on va inviter les agents à s'inscrire. Alors, on va leur proposer par équipe, par équipe ou par service, de faire un certain nombre de kilomètres. Et le nombre de kilomètres atteints, en fait, nous permet de... On fait des petits cadeaux. En fait, ils ont choisi les cadeaux avant l'atteinte des objectifs. Donc, par exemple, au CHU, on a une serre. Et donc, si les objectifs sont atteints, il y a possibilité d'obtenir des plantes qu'ils pourront mettre dans les services. On a, parce qu'on est un petit peu dans le sud, on a pas mal de tables de pique-nique parce que ça permet aux agents, en fait, du temps de midi, de pouvoir les utiliser. Et donc, ça fait partie des petits cadeaux qui sont retournés grâce au Challenge Mobilité. Et bien évidemment, le dernier point, c'est le plan de communication. On est en étroite collaboration permanente avec la communication. On a un plan de communication en N-1 pour N, pour pouvoir suivre, faire savoir, stimuler, sensibiliser en permanence. Ok, merci beaucoup, Madame Péridon. Donc, en synthèse, je comprends bien que c'est une démarche qui a été initiée depuis 2007 via un partenariat avec la métropole. Et on le voit bien dans votre propos que les liens finalement avec la ville sont nécessaires pour pouvoir avancer collectivement, collégialement vers des déplacements à faible émission. Grâce à la loi 2019, une vraie accélération. Puis en 2021, finalement, la mise à disposition de ce livre blanc sur le schéma directeur autour de l'immobilier qui a permis là aussi d'avoir des propositions concrètes. Avec l'installation en 2022 d'un comité technique lié à la mobilité. On le voit, vous avez déjà commencé un peu à nous annoncer les premiers résultats de toutes ces mesures que vous avez pu mettre en place. Et justement, pour faire écho à cela, alors, vous avez peut-être déjà avancé sur la question que j'allais vous poser sur les actions à venir. Donc, on a déjà quelques idées au regard de ce que vous nous avez dit, mais est-ce que vous nous réservez encore d'autres surprises ? Alors, de manière un peu précise, effectivement, pour les flux de domicile-travail, on a deux éléments qui sont importants. C'est faciliter le télétravail dans la mesure où c'est possible avec les postes occupés par les professionnels. Et pour ce qui est des secteurs de soins, permettre travail en 12 heures de manière mixte dans les équipes. Ce qui est un point hyper important, c'est-à-dire que le travail en 12 heures, c'est s'il est souhaité, s'il est possible, alors il est envisagé. Mais ce n'est pas une obligation que toute l'équipe passe en 12 heures. Donc, ça crée effectivement des ajustements de planning assez complexes, mais ça a un impact positif sur les agents. Le point sur les alternatives à la voiture, alors on a des actions assez précises, où on va développer les infrastructures en interne. Par exemple, on a effectivement aujourd'hui, depuis fin 2023, on a 1350 places de parking à vélo, ce qui correspond à 11,5% de notre masse salariale. Donc, on est plutôt bien loti, sachant que du coup, on s'est fixé un objectif step by step pour évoluer sur ces places de parking. Et ces places de parking sont associées en fait des équipements de réparation pour les vélos pour permettre aux agents, si en partant le soir, ils découvrent un petit problème sur leur vélo, de pouvoir le réparer. On a également mis en place un partenariat avec une association, c'est une association de réinsertion d'ailleurs, donc on a un double axe,
qui permet tous les 15 jours aux agents de venir déposer leur vélo le matin quand ils arrivent au travail, de le récupérer au moment où ils partent et avec une correction des dysfonctionnements sur le vélo ou simplement une vérification de sécurité au niveau du vélo. Ça, c'est des actions que l'on met en place pour faciliter les transports. Je vous ai parlé de tout ce qui est infrastructure extérieure et partenariat. Il va y avoir une ligne de tram supplémentaire. La gratuité des transports a été mise en place. Le CHU, depuis 2021, verse le forfait mobilité durable à ses agents avec une demande de démonstration du nombre de kilomètres. Mais c'est sur les éléments apportés par l'agent sans contrainte particulière. Il choisit son modalité de transmission comme il le souhaite. Et puis, sur la partie voiture, on essaye de faciliter le covoiturage. Et donc là, c'est pareil, en partenariat avec la ville, on a la possibilité de disposer d'une application qui s'appelle Klaxit. Cette application, c'est une application de covoitureur. Et en fait, déjà, pour la personne qui s'y inscrit, il y a une aide financière qui est apportée. Ensuite, pour les utilisateurs de l'application et du covoiturage, il y a deux points à faire savoir, c'est-à-dire qu'il y a une répartition des frais attachés au covoiturage, normal, mais il y a une garantie de retour à domicile qui est également mise en place. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que une personne qui part avec une voiture le matin, le soir, pour une raison ou pour une autre, ne va pas pouvoir assurer le retour, il y a une difficulté au niveau d'un service. Eh bien, il y a une garantie retour à la maison avec la mise en place d'un taxi ou d'un autre transport pour permettre à l'agent de retourner chez lui sans qu'il ait de frais à avancer. Et ça, c'est en partenariat avec la ville. Et le dernier axe sur lequel on travaille de manière continue, c'est effectivement la politique de communication et d'animation. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça passe au travers de mailing, ça passe au travers d'un plan de formation où on invite à participer à de la remise en selle quand on n'a pas fait de vélo depuis longtemps, ou à des formations spécialisées quand on veut utiliser des vélos type vélo cargo. On a également des actions de communication sur les défis mobilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le point qui va être un point fort de travail cette année, parce qu'on l'a vu avec le F3STT, c'est de travailler sur l'accidentologie, parce que du coup, plus d'utilisateurs de vélo, plus d'accidents, ça veut dire non pas qu'on ne l'a pas traité jusqu'à présent, puisqu'on suit de manière statistique les vols de vélo et les accidents, mais on essaye d'avoir un partenariat rapproché avec la QVT et les conditions de travail pour inciter les agents qui ont eu un accident à suivre la formation sécurité, parce que souvent, c'est à partir de choses un petit peu bêtes, hein, comme un accident d'ailleurs. Souvent, je portais pas de casque, j'ai récupéré un vieux biclou pour lequel j'ai pas vérifié que les freins fonctionnaient, enfin, ce genre de choses. Donc, on a vraiment une démarche proactive, et c'est l'axe sur lequel on va particulièrement travailler cette année pour les actions. Ok, ben c'est très clair. Du coup, là, des actions directes que vous pouvez avoir sur les modes de déplacement, ce que je retiens aussi, c'est que finalement, vous travaillez aussi sur les organisations, notamment sur la mise en place du télétravail et laisser la possibilité aux agents qui le souhaitent d'exercer en 12 heures. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, toute la partie communication et animation dont vous nous avez évoqué en première partie, et peut-être aussi ce que je n'avais pas encore entendu et que je trouve assez innovant, c'est tout ce suivi que vous faites autour de l'accidentologie. Donc, bravo pour cela et merci pour ces éléments très éclairants, Madame Péridon. Merci. Juste peut-être une information complémentaire pour tout ce qui est du label Employeur Pro Vélo. Il y a le site employeurprovélo.fr où tout est absolument décrit. Comment on peut obtenir ce label, quelles conditions ça suppose et quels sont les avantages qui y sont attachés, puisqu'il y a des primes qui sont versées pour l'employeur. C'est un label qui est renouvelable tous les 3 ans. Et nous,
Ils nous aident à déployer les installations vélo, bien sûr, mais surtout, il a une image favorable pour notre marque employeur CHU, notamment en termes d'attractivité. Dans les sensibilisations, il faut savoir qu'on a une intervention systématique pour les nouveaux arrivants au niveau des professionnels paramédicaux et au niveau des internes, où on a une intervention sur la mobilité durable. On leur transmet tous les éléments techniques et les modalités de fonctionnement au niveau du CHU. Merci beaucoup, Madame Péridon. Je vais maintenant me tourner vers vous, Madame Jaillère. Pourriez-vous tout d'abord nous resituer le CHU de Nancy en termes d'activité, quiesmique de l'établissement, nombre de lits, etc. Oui, bien sûr. Alors, l'établissement CHRE de Nancy, c'est déjà l'établissement support de son groupement hospitalier de territoire, Sud-Lorraine, qui regroupe 11 établissements répartis sur 4 départements de l'ancienne région Lorraine. C'est 1700 lits et places environ, éclatés actuellement sur 6 sites. Et on pourra l'évoquer tout à l'heure dans le cadre de la flotte automobile. On a un projet immobilier d'envergure, de regroupement sur un grand site principal d'ici 2030-2031, donc, ce qui nous conduit aussi à revoir notre plan d'action en matière de flotte automobile. C'est un peu plus de 9000 agents, un budget de 960 millions d'euros. C'est le premier acteur de la cancérologie sur le territoire lorrain. Sur les éléments marqueurs d'activité, c'est 98 000 passages aux urgences, dont 30% d'urgences pédiatriques. C'est 500 000 consultations par an. Et puis, c'est un plateau technique important, hein, comme tous les CHU, avec 48 salles d'opération, 2 robots chirurgicaux, 8 IRM, 7 scanners, j'en passe. Et puis, c'est aussi l'acteur public de la biologie territoriale, avec 195 millions de baies de BHN produits chaque année par le laboratoire pour notre territoire. Merci beaucoup. Alors du coup, nous on a suivi avec grand intérêt vos travaux en matière d'optimisation et de verdissement de flotte automobile. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en termes de démarches, d'acteurs mobilisés et de calendrier ? Oui, alors c'est un projet qui a démarré en 2018, quand on a fait le constat en fait de la grande vétusté de notre flotte, enfin notre parc de véhicules, hein, que ce soit des véhicules légers ou des véhicules pour la logistique et des poids lourds. On avait, comme beaucoup d'établissements, été dans un plan de retour à l'équilibre et c'est vrai que l'investissement sur cette thématique de la flotte automobile avait été un peu sacrifié et on commençait à en voir les impacts négatifs en termes de coûts de réparation, même de sécurité hein, pour ceux qui étaient appelés à prendre ces véhicules. Donc, on est passé par un appui et un audit d'un partenaire extérieur, professionnel, pour nous aider à bien qualifier notre parc et surtout à tracer les perspectives d'évolution de ce parc. On avait, en 2018, déjà bien conscience qu'il y avait aussi des sujets d'empreinte carbone, de réduction de nos émissions de CO2. Donc, c'était aussi une des cibles à l'occasion de cette étude et de ce plan d'action. Alors, pour donner quelques éléments un peu marqueurs, en fait, on avait une flotte automobile avec plus de 12 ans d'âge en moyenne, des véhicules qui roulaient très peu, en fait. La grande majorité des véhicules faisaient moins de 60 km par jour, parce que, comme je le disais, éclaté sur 6 sites, c'était beaucoup de petits trajets entre les sites. Donc, en fait, un parc très mal utilisé, très mal optimisé, vieillissant et en même temps avec très peu de kilomètres. Donc, on a mis en place un plan d'action sur 5 ans et qu'on continue d'ailleurs à poursuivre puisqu'on n'est pas au bout du chemin. Aujourd'hui, on a 125 véhicules, donc on a réduit notre parc auto de 12 véhicules d'ores et déjà. On a également 18 véhicules en location et ça, c'est un choix qu'on a fait en termes d'usage de bien définir ce qui relevait ce qui était plutôt pertinent en termes d'acquisition de véhicules et ce qui relevait plutôt de la location de longue durée ou de la location avec option d'achat. Donc, tout ce qui est location de longue durée ou location avec option d'achat, ça porte plutôt sur les poids lourds et sur les véhicules techniques, je dirais, c'est-à-dire frigo ou pour les véhicules qui nous servent de navette, notamment sur la biologie. Donc là, on avait identifié que c'était beaucoup plus pertinent d'avoir ce mode de location, à la fois par rapport à l'usage, à l'intensité d'usage de ces véhicules, à leur spécificité, mais également par rapport à l'évolution technologique qu'on pouvait identifier auprès des constructeurs. On a, en 6 ans, acquis 80 véhicules neufs, donc on a vraiment beaucoup réinvesti sur le sujet, à peu près
entre 300 et 400 000 euros par an, sachant qu'on a aussi des ambulances, hein, c'est aussi un sujet important avec des normes et des agréments particuliers. Et puis, on commence à avoir recours un peu aux véhicules d'occasion. Donc ça, c'est une évolution plus récente, puisqu'on sait que le marché constructeur est très tendu. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui à trouver des véhicules ou des délais très longs. Donc en fait, on se tourne pour cette raison vers le marché de l'occasion, mais aussi parce que ça nous permet de renouveler plus vite nos équipements et que c'est une façon aussi de remplir nos orientations RSE, développement durable au sens large, en réutilisant des véhicules qui sont tout à fait pertinents pour nos usages. Donc là, on est passé en quelques années de 12 ans de moyenne d'âge à aujourd'hui 7 ans de moyenne d'âge. Donc déjà, on a amélioré la qualité et la sécurité de notre flotte auto. On a rationalisé, puisque je vous l'ai dit, on a réduit de 12 véhicules. Et donc, on constate qu'en fait, on fait beaucoup plus de kilomètres sur les véhicules du parc, mais surtout, on fait beaucoup plus de kilomètres en général. Alors ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est l'effet de notre développement sur le territoire dans le cadre du GHT. On est appelé à faire pas mal d'interventions sur des sites assez éloignés. Hein. Je vous dis, on est sur 4 départements. Donc, on a, même si on a réduit le parc auto, amélioré le ratio kilomètres par véhicule, on a globalement augmenté notre nombre de kilomètres parcourus. On est en 2023 à 1 230 000 kilomètres. Donc, c'est quand même pas négligeable. On a aussi amélioré notre ratio de véhicules à faible émission. Donc aujourd'hui, on a 15% de nos véhicules qui sont à très faible émission de CO2 et 58% qui ont un impact environnemental faible, puisqu'on est entre 50 et 80 grammes de CO2 par kilomètre. Donc voilà, on dieselise notre flotte, mais on a encore malheureusement quelques véhicules diesel, notamment les poids lourds. On n'a pas encore pu identifier la technologie qui permet effectivement de basculer. Mais c'est bien un souhait dès que ça sera pertinent. Dire aussi qu'on a développé pour notre flotte propre et puis pour effectivement nos personnels et nos visiteurs usagers, les bornes de recharge électrique, hein, c'est désormais indispensable. On a une délégation de service public sur nos parkings qui nous ont permis également de fortement améliorer ce ratio, puisque c'est normé, hein, en termes de nombre de bornes par rapport au parc de stationnement. Donc ça, c'est un vrai plus. Et puis voilà, on a l'ambition de continuer à mieux maîtriser et mieux connaître l'usage de notre flotte auto avec des outils embarqués tels que la télématique et pouvoir suivre de manière digitalisée et automatisée, je dirais, toute la partie suivi de maintenance, suivi de l'usage de notre flotte automobile pour vraiment l'adapter au mieux entre ce qui est de l'autopartage, ce qui est du véhicule de service dédié, ce qui relève aussi des alternatives aux véhicules. Donc, j'entendais la collègue de Montpellier. Effectivement, nous, on a vraiment un axe d'amélioration très fort à mener sur l'usage des vélos. Donc, selon les sites, c'est possible, plus ou moins possible, puisqu'en fait, on a un site qui est très, très en hauteur. Donc, hormis le vélo électrique, c'est absolument impossible d'y aller en vélo musculaire, comme on dit désormais. Voilà, donc il y a tout un plan d'accompagnement aussi dans le cadre d'un plan de mobilité avec le territoire pour pouvoir développer l'usage des vélos. Clairement, ça explose, hein. On voit bien, on est sollicité en permanence pour agrandir les différents parcs de stationnement des vélos en sécurité, parce que c'est un sujet aussi, effectivement, le vol et la dégradation. Donc voilà, on voit que l'usage du vélo se développe et on souhaite le développer aussi pour nos usages professionnels. Donc on a sur un de nos sites des alternatives aux véhicules qui sont des trottinettes, des vélos. On aimerait bien regarder les vélos cargo aussi, hein, si, voilà, c'est des choses à regarder. Et même aussi la moto, parfois, alors là plus pour des enjeux de délai, notamment pour du transport de sang, des sujets sensibles comme ça, où on est une ville malheureusement assez embouteillée, où il peut être très compliqué, alors que les kilomètres ne sont pas importants, il peut être très compliqué d'aller d'un point à un autre dans un délai rapide. OK, ben, mille merci pour ces éléments. Donc un projet qui a débuté en,
en 2018 par un constat qui vous a permis finalement au fur et à mesure des années de progresser, notamment sur la moyenne d'âge de vos véhicules. On voit que vous avez gagné 5 ans en 6 ans, donc bravo pour ça, mais finalement aussi un constat qui vous amène encore à agir, notamment sur les kilomètres parcourus, c'est ce que vous nous évoquez. Alors justement, en termes d'objectifs à long terme, vous nous avez déjà évoqué un peu quelques pistes avec le vélo cargo, la moto, mais est-ce que vous avez d'autres pistes pour votre verdissement? Est-ce que finalement ça ne passerait pas par un 100% de véhicules électriques ou d'autres choses? Alors, 100% de véhicules électriques, si effectivement, pour tous les usages, notamment les poids lourds, là, c'est aujourd'hui un peu compliqué malheureusement, c'est, comme je le disais, développer d'offres de services plus diversifiées, avec plus d'autopartage, même si on a énormément progressé, plus de mobilité douce, y compris pour les transports intra et logistiques. C'est également, alors ça c'est une action qu'on a déjà très bien entamée pour nos professionnels, mais on aimerait l'étendre à l'ensemble des salariés du CHU, c'est aussi l'éco-conduite. Mmh. Ça répond à la fois à des enjeux de sécurité et aussi de moindre émission de CO2. Donc ça, c'est des choses, on a déjà formé une cinquantaine d'agents en interne et on a un plan de formation pluriannuel sur le sujet, donc ça c'est très intéressant. On l'a valorisé aussi dans le cadre de la semaine du développement durable. Donc, comme je le disais également, il faut qu'on poursuive l'adaptation de nos véhicules par rapport à nos usages, qu'on augmente le recours aux véhicules d'occasion en termes d'opportunités, mais également de logique de réusage, de réemploi. Toute la gestion informatisée du parc pour mieux connaître notre parc et en faire un meilleur usage. Et puis, alors, au-delà du vélo et de la moto, il y a aussi tout ce qui est de transport automatisé. On a, avec notre schéma directeur immobilier, on a le sujet d'automatiser la logistique, ce qui évitera des trajets qui se font aujourd'hui par des véhicules. Et puis, on a également les drones. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais je pense qu'il y a, un vrai potentiel, notamment sur la biologie. C'est là où les expérimentations sont plus nombreuses. Donc, on a aussi cette volonté de pouvoir, quand tous les indicateurs sont favorables, de pouvoir utiliser des drones, notamment sur les échantillons de biologie, voire les médicaments, ce qui permet de concilier réduction très très forte de l'empreinte carbone et puis rapidité et délai sécurisé. Eh bien, mobilité douce, éco-conduite, drone, on va suivre avec intérêt les évolutions à venir au CHU de Nancy. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Madame Geyer, de ces éléments. Merci. Merci de cet éclairage et à nouveau, merci à vous deux de votre participation. Nous arrivons maintenant à la fin de cette webconférence. Pour conclure, je vais donner la parole à Jamel Masser, expert logistique au sein de la NAP. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à remercier nos intervenants, Madame Charpenet du groupe La Poste, Monsieur Duvernois de Géodis, Madame Geyer du CHU de Nancy et Madame Péridon du CHU de Montpellier pour leur participation et le partage de leurs stratégies et actions respectives. Comme vous l'aurez compris, le transport vers un transport divers est un enjeu majeur pour diminuer les gaz à effet de serre. La NAP a travaillé sur ces sujets et publie aujourd'hui même des publications opérationnelles à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux, leur permettant d'optimiser et de verdir leur flotte automobile, d'impulser le covoiturage, de les éclairer sur les carburants alternatifs, que ce soit du biogaz ou du biocarburant, de comprendre ce qui se passe à l'étranger au travers d'une fiche 360 degrés internationale sur le transport durable et le transport sanitaire vert, mais aussi de leur donner des pistes pour réussir le transport sanitaire partagé, désormais inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, un outil de simulation pour aider au verdissement est également en cours de finalisation et sera prochainement disponible sur le site de la NAP. J'en profite également pour vous rappeler que la NAP a récemment lancé un appel à manifestation d'intérêt pour un appui terrain transport sanitaire dont l'objectif est de simplifier son organisation, économiser du temps, diminuer ses dépenses et réduire son empreinte carbone. Je vous remercie à nouveau de votre participation à cette webconférence. J'espère sincèrement qu'elle aura répondu à vos attentes et on se retrouve très vite sur le site anap.fr. À bientôt.